Salut, bonjour, hi, hi, ce matin exopolitique, oula, là, oula, là, mais qu'est-ce qu'il nous fait lui-là ah, Mais c'est vrai que normalement c'est la base de sa chaîne, <laughs> alors est-ce qu'il va nous mettre des ovnis dans... Non, pas d'ovnis aujourd'hui, mais un... <coughs> un retour sur deux informations, enfin deux vidéos d'informations par le Farsight intitulé Farsight ET News. C'est les prévisions pour octobre 2022. Donc c'est juste le trailer qui est sur YouTube, hein, parce que l'épisode complet est sur farsightprime.com et que c'est privé, que donc du coup en général il n'y a pas de traduction autorisée, il n'y a pas de réutilisation, traduction euh, utilisée, euh, autorisée. Pardon. Donc euh, je, je me permets que de traduire. Et encore, parce que c'est pour mes encarts, hein, parce que quand on va euh, sur euh, la chaîne YouTube, sur la page de laquelle je suis, j'espère que vous la voyez bien, j'espère qu'on m'entend bien aussi. Ah, oui, oui, j'espère qu'on m'entend bien. Est-ce est que. Allô, allô, ici, cognac, j'ai, j'ai, j'ai du cognac. Cogn... Oui, oui, j'ai du cognac. <laughs> Là, ça marche. Oui, un cognac, cognac. Yeah. Bon, donc nous sommes le 28 octobre 2022, il est 9h21 et nous sommes sur le site de Farsight. Le Farsight, c'est même plus Remote View, c'est Farsight parce que le, Farsight, le Remote View qu'ils pratique, c'est du Farsight. C'est voilà, comme Frigo, un frigo, non, frigo, c'était le nom de la boîte un Frigidaire normalement, vous voyez Alors, voilà. Alors, frigidaire c'est remote view farsight et euh, frigo c'est euh, le farsight. Donc, vous parlez de frigo, tout le monde sait de quoi vous parlez. Vous parlez de farsight, tout le monde sait que vous faites du remote view à la farsight. Ils ont un protocole particulier, des protocoles particuliers euh, qu'ils développent et qui sont gratuitement à portée de tout le monde qui veut s'y intéresser. On a vu que dernièrement, il y a NTD qui a interviewé un espion télépathe, c'est-à-dire un remote viewer, qui faisait même du remote influencing. Oui, influencing, ça veut dire qu'il se la joue comme dans le film Inception. Ouais, ils vous mettent une idée dans la tête, vous pensez que c'est la vôtre, et ce n'est pas la vôtre. <laughs> C'était déjà le cas, de toute manière. Hein. On a remarqué, quand on s'y intéresse, qu'à peu près 80% de nos pensées, nos idées, ne sont pas les nôtres. Mais c'est celle de qui Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on y reviendra peut-être un jour. On, en, on y est déjà passé de toute façon. Allons-y. Alors, euh, voilà, je disais qu'ici, là, en cliquant sur sous-titres, vous allez avoir les sous-titres qui s'alignent. Et qu'en cliquant sur la roue dentée, la roue dentée, <laughs> vous avez les sous-titres qui sont là. En anglais généré automatiquement, vous cliquez sur cette ligne là, vous cliquez sur traduire automatiquement et là vous faites défiler. Ça s'est vraiment amélioré au début, il fallait attendre 20 secondes à, à, à la suite d'un clic avant que s'affiche la fenêtre et vous cliquez sur français, français et là étranger, hein oui, mais étranger c'est alien hein <laughs> donc vous voyez, c'est pour ça que je vais quand même traduire moi parce que bon. Hein, étranger. Salut à toi, étranger. <laughs> R2, G2. Euh, vous comprenez. Bon. On a gna gna, Ah, musique, mais bon, la musique, nous, vous savez, on s'en passe. Voilà. Alors, c'est Princesse Janet qui a changé de prénom. Hein. Qui s'appelle autrement maintenant. Elle <coughs> <coughs> s'appelle plus Princess. Elle s'appelle. Euh, je ne sais plus. Elle a un nouveau nom. Elle, elle va le dire. Je suis ballot, Bon, ben, salut tout le monde. Bienvenue au Farsight ET News les news qui vous disent ce qu'il va se produire et non pas ce qui va se produire de la part des extraterrestres durant le, le mois d'octobre 2022. Et nous étions, nous étions au début du mois. C'est-à-dire 20... c'est en fait 30 jours ou 24 enfin, semaines à partir de la date de la mise en ligne. À peu près. Donc, c'est les news de ce qui va se produire et non pas de ce qui s'est passé. Fellow time travelers, let's cut to the... Amis voyageurs temporels, euh, laisse. Bon, euh, ne coupons pas les cheveux en quatre et euh, parlons directement. Chase, Qu'est-ce que vous obtenez en regardant cette émission de ET News? To understand what you get, you need... Pour comprendre ce que vous obtenez, vous avez d'abord besoin de comprendre que la soi-disant so get... le soi-disant message retour à la maison que vous obtenez en regardant tous nos projets Farsight jusqu'à aujourd'hui. By watching all of our five-site projects to date. Take home, oui, je ne sais pas si c'est retour à la maison ou ramener à la maison, prête à emporter. quoi. Et euh, donc, de toute manière, ce message peut être euh, résumé de telle manière. And that take home message can be summarized like so. About 3000 years ago. Il y a à peu près 3000 ans, cette planète était. La vie sur cette planète se déroulait comme dans une prison horrible. Avec une population esclavagisée par des itis sans foi ni loi. Slave population by ruthless extraterrestrials who thought nothing about torture... qui n'en avaient rien à foutre de torturer tout le monde autant que c'était nécessaire pour les rendre obéissants. Ça, ça a été interrompu par une sorte d'intervention militaire extérieure. À peu près autour de l'époque du, colla du collapse, ça se dit en français aussi, je crois, de cette société égyptienne constructrice de pyramides. Il y a à peu près 3000 ans. En cas je sais bien que euh, les thèses du récentisme ont, ont de sérieuses bases par endroits suivant les sujets je sais bien que il peut y avoir des interventions euh, enfin je sais bien que je suppose je suppose que ce que je sais à propos de ces interventions transdimensionnelles du style avec la science quaontique qui permettent de transformer la réalité en trafiquant euh, finalement quoi, les, quelque part les, les lignes de code, les lignes de codage de notre matrice. Une matrice, même si elle est artificielle, celle qui nous construit, là, le, quelle qu'elle soit, la matrice là, en question, elle est quand même euh, composée quelque part de, de, de points euh, qui, euh, qui donnent la position de chacun des éléments et euh, leur qualité. Euh, vous voyez, avec des données sur la quantité, sur la forme, avec vous voyez, des données sur la chaleur, sur de, de l'élément considéré. C'est une manière de, de définir par tous les moyens possibles un objet donné. Sur tous les plans possibles, etc. etc. Vous voyez, donc ça, ça fait une matrice quelque part quand même. Hein. Après, il y a les artificiels et tout ça, mais ce n'est pas le sujet. Bon, donc, euh, il y a à peu près à l'époque où s'est écoulé... Euh, la société des pyramides, l'origine, elle. elle. est marrante, Presse euh, jeanet euh, <laughs> elle, elle nous habitue petit à petit à visualiser euh, des personnages euh, improbables jusqu'à aujourd'hui, à part dans certaines sociétés un peu woke, peut-être, euh, et encore, ou lors de soirées euh, tribales, hein, normales, juste traditionnelles, quoi, folkloriques, locales, hein, c'est juste parce que c'est pas les fifres et les tambourins là, que, hein, ils ont pareil, hein, ils ont le tam-tam et le djiridou ou le euh, koulélé, etc. Reprenons. The oppressive... Les extraterrestres oppresseurs ont travaillé dans le jour depuis, et l'humanité a repris, enfin, a tâché de reprendre un long processus de récupération. And humanity de sa souveraineté, entre autres, long mais de sa lucidité, de plein de choses. Pour récupérer sa souveraineté, il faut avoir l'esprit le plus clair possible. Comment avoir l'esprit le plus clair possible alors qu'on est empoisonné dans un brouillard mental, nourri de fausses informations, dans un bain d'activités, de stimuli qui nous détournent toujours de l'intérêt principal de notre existence, en fait. Mais qu'est-ce qu'on... Oui, ici Reprenons. Et pourquoi et comment et à cause de quoi et depuis quand et, et tout le reste. Ça, c'est quand même, je ne sais pas moi. Vous vous réveillez le matin, vous avez maintenant l'habitude de savoir où c'est que vous étiez, mais rappelez-vous, quand vous étiez petit, vous vous réveillez le matin et vous disiez, mais qu'est-ce qui se passe, je suis où là <laughs> Ah oui, c'est vrai, j'existe sur Terre dans une famille là. Non vous savez pas le coup, vous Moi, <laughs> là, à le dire, je n'ai pas l'impression d'inventer un truc. Hein, vraiment. Hein. Je vous en ai parlé dernièrement, quand on se réveille en voyage aussi, on s'endort quelque part qu'on qu on ne connaît pas, et au petit matin, on se réveille, on s'endort dans la nuit, vous voyez, vous arrivez à un endroit, c'est la nuit, le matin, vous vous réveillez, vous ne connaissez rien, ni de la pièce, ni d'ailleurs du, du paysage local. Vous voyez, vous avez une impression là, de... Hein, Hein, ça, c'est un des côtés du voyage que, qui, me semble-t-il, est le plus euh, euh, peut-être déstabilisant pour certains, mais aussi euh, reposant. C'est changeant. Là, vraiment, on est diverti. On change de préoccupation d'avec notre quotidien de la veille. Reprenons. Donc, euh, ouais, recouvre. Hein. Oh c'est un peu fort, le son. Oui, c'est peu The oppressive extraterrestrials are still here. Alors, les extraterrestres oppresseurs sont toujours ici et sont toujours très intervenants négativement. Hein. Mais, hein. mais au moins, euh... mais ça a laissé à l'humanité, enfin l'humanité a réussi à se dégager un peu d'espace pour essayer de euh, remettre les choses en place, relier les points et euh, Remplir le puzzle pièce par pièce. Piece by piece. The oppressive extraterrestres... Les extraterrestres oppressifs euh, sont, particul... euh, euh, sont euh, partiellement euh, tenus en échec extraterrestres... par, les, par des bons extraterrestres bienveillants qui sont des, des amoureux du libre arbitre et qui sont, au moins pour le moment, patiemment en train d'attendre pour voir comment est-ce que l'humanité va pouvoir s'aligner, va pouvoir se relever. Oui, ça fait quelques milliers d'années qu'ils attendent, ils attendent encore. Ouais. Enfin, si on en croit Kim, je suis dans l'encar là, hein. si on en croit Kim et Zien Enforcer, c'est euh, le ziti bienveillant, vous voyez C'est le côté du ziti bienveillant. Ouais, ah, je ne sais pas, je sais pas, j'ai vachement confiance quand même à ce qui nous sort, hein, qui est corroboré par toutes les hypnoses. Qui est corroboré par les textes anciens, qui est corroboré par euh, les preuves qu'on a en archéologie, qui est corroboré par euh, la lucidité, puis euh, un certain feeling de temps en temps. On peut se tromper, hein, on peut toujours être manipulable, hein, c'est vrai. Hein. Mais enfin, euh, là, on est un certain nombre à penser comme ça, d'une part, et d'autre part, euh, zut, quoi. Je sais pas, moi, je n'ai pas l'impression d'être complètement euh, emmené euh, à côté de la réalité. Je sais bien que je manque complètement de preuves quand je vous amène euh, les vidéos pour dire ça vaut la peine d'être cru. Je, enfin, on est tous ensemble en train d'essayer de trouver euh, qu'est-ce qu'il y a de crédible là-dedans, euh, et il bah, commence à y avoir quelques points. Et parmi ces points, il y a les présences euh, reptiliennes, il y a les présences de tous les autres zits, il euh, y a les ovnis, il y a les observations. Euh, même s'il y a un seul une seule observation d'ovni non explicable et non expliquée, ça suffit. Or, il y en a des centaines de milliers. Bien. Il nous est donné une chance d'exercer notre libre arbitre, notre choix. C'est comme pour les sprits, <laughs> notre à la suite d'un choix éclairé. Alors, un libre arbitre, un choix de libre arbitre avec libre arbitre qui déterminera notre entière future. Entière future. Entière future. It feels like these subjects... Alors, elle, donc ça, c'est des petits extraits euh, de, des séances de Rimodiu qui ont été faites par les membres de leur équipe. Hein. Donc, vous voyez euh, euh, un ovni, vous voyez une tête euh, de reptos, là, quelque part, hein, quand même, un iti assez reptos. En tout cas, quelle que soit la, la tête du iti, il a des pupilles euh, de reptiliens hein, ou de chats. Ah. Euh, et, et quoi euh... C'est juste un extrait, donc on ne va pas en avoir long. Donc j'essaie de trouver des indices qui nous intéressent. Donc là, il y a une ville, mais avec un drôle de bâtiment. Là. Un drôle de bâtiment. Je crois que j'ai vu ça quelque part, mais je ne me rappelle plus. Il y a des bâtiments à Paris qui essayent de ressembler à ça, mais il y en a. Je, je vu en, en, en Indonésie ou quelque part. Enfin, il me semble. Alors, en photo, hein, je n'y ai pas été moi en Indonésie. Alors, donc qu'est-ce qu'elle nous dit alors, il y a un personnage là qui fait partie d'un groupe qui est plutôt du côté euh, d'une sorte de groupe de rébellion. Donc, on reprend, les extraterrestres oppresseurs veulent que l'on revienne à l'état d'être complètement opprimé. Une population esclave. Et ils essayent désespérément de nous empêcher de faire ce choix avec libre arbitre, de nous aligner avec la civilisation des gentils, des, des E.T. bienveillants. ETs, ETs. Les mauvais IT savent que le seul moyen d'empêcher. Ça d'arriver et d'empêcher toute révélation, toute disclosure de la présence extraterrestre ici sur Terre, maintenant, depuis longtemps. Eti en plus, eti. ils savent que si la vérité parvenait à jour, l'humanité s'alignerait rapidement, rapidement avec les ET bienveillants et que les Mauvaises IT auraient perdu. Parce que les gentils IT vont intervenir et les foutre dehors. Ne croyez aucune des histoires que vous entendez qui suggèrent que les mauvais IT ont déjà été vaincus et sont partis. Ah! Ah! Hein? Ah. Hein? Bon. Hein? Alors là, on tempère Kim aussi. Hein? Parce a priori, normalement, depuis 2017, les personnages négatifs sont disparus à peu près, enfin, morts, dissous, retour à la source, quel que fût leur poste et leur hiérarchie. Et ben bah, euh, et là on a, on a Kim qui nous dit il, Le pouvoir est entre les mains des sous-chefs, des sous-chefs, des sous-chefs au fur et à mesure que la hiérarchie est, est, est décapitée, est été, dissolue, dissoute. Mais elle, elle nous dit non, non, ils sont toujours là. Et, ben, et, et personnellement, comment j'estime la chose ben, On est dans, dans l'eau, là. On est dans l'eau et on se débrouille de mieux en mieux vis-à-vis -vis des requins, mais ils sont toujours là. Par contre, si vous laissez la porte ouverte, il euh, y a moyen qu'ils qu reviennent, que ça les attire, qu'ils se nourrissent. Mais, on, mais on, on nage beaucoup plus comme des dauphins maintenant, déjà. voyez et il y en a qui prennent des cours d'orques. De, <laughs> oui, l'orque qui bouffe les requins. <laughs> non, pas euh, l'orque qui s'étroule. Oh, Reprenons. Alors, tout ça fait partie de cette campagne de propagande incessante qui tourne en tous les milieux pour vous convaincre de vous calmer et d'arrêter de résister et de lutter en opposition. The to chill out and stop back. En rétorsion. Encore, je vous le rappelle, la seule moyen que les and mauvais hités ont de gagner, c'est s'ils peuvent vraiment empêcher toute révélation de leur présence, ou de la présence en général de Ziti. Hein. Oui, parce que c'est c'est pas le c'est pas la vérité pure, mais c'est déjà une première bonne étape, je trouve, dans dans l'évolution de conscience vers euh, euh, l'ouverture à l'exopolitique comme réelle hein, et non pas comme euh, matière. Euh, alors regardez ce que nous dit. Euh, <laughs> ce que nous dit YouTube. Vous allez... Euh, euh, non, c'est pas sous celle-là, c'était sous la précédente. C'est sous la précédente. Ah ben, c'est celle-là. Contrôleur of Reptilian, voilà. Reptile humanoïde, définition Wikipédia. Le reptile humanoïde est une créature imaginaire, représentée sous la forme de reptile à l'allure humaine. Donc, euh, humanoïde. Il est connu sous différents noms. Reptilien, Reptoïdes, encore hein, sont pointus. Hein. Dinosauroïdes, hommes lézards, saurial, reptite, hein, celui-là, j'ai jamais eu. Draconia, voire dragon. Allô? Alors ils mélangent tout déjà, hein, mais euh, sinon il y a deux, trois trucs à prendre là quand même. Hein. Créature imaginaire. Oui, oui, alors euh, ces gens-là... Ces gens-là, ils n'ont jamais été se faire soigner euh, magnétiquement parlant, je veux dire, chez un magnétiseur, Ils n'ont jamais fait l'hypnose. Ils ne connaissent rien en, en Remote View. Ils n'ont jamais assisté à un shape shifting. Ils n'ont jamais croisé un non-humain. Ou s'ils l'ont fait, ben c'est eux-mêmes qui mettent ça en ligne de façon à ce qu'on pense autre chose <laughs> et ce qui correspond bien à ce qu'est en train de nous dire euh, Janaï. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle va le dire peut-être à la fin. Allez, on reprend. Disclosure. Donc, euh, ils gagnent à condition qu'ils empêchent toute disclosure. Et il ne faut pas attendre la part du gouvernement ou de la télévision ou des médias une officialisation. De... La... Il y en a, il y en a. En plus, il y en a. Il y a l'INSA qui vient de sortir un nouveau plan pour étudier les ovnis. Hein. Et ils disent… Il y, a, il y a certains phénomènes dont euh, nous n'avons aucune preuve pour dire qu'ils sont extraterrestres, quoique il n'y ait pas moyen de trouver une autre solution pour, aller, pour les expliquer. Voilà. C'est pas mal, cela. moi, j'ai bien aimé. Mais bon, toujours est-il, voilà, on recommence à zéro, tu crois aux ovnis, et puis voilà, il y a les ovnis, mais qu'est-ce que c'était donc énorme foutage de gueule parce qu'on se rappelle tous de Roswell, on se rappelle de l'infirmière, on se rappelle de plein de choses maintenant. Hein et puis peut-être bien effectivement qu'il y avait une partie des raisons pour laquelle JFK devait être effacé, euh, qui comprenait la divulgation de l'existence d'Utid et puis le, la mise en commun du matériel russe et américain sur ces sujets-là, ainsi que sur le voyage lunaire d'ailleurs. Reprenons. Donc, ils font tous leurs efforts pour, euh, par tous les moyens, à empêcher cette révélation au public. Les humains sont des gens sympas, gentils, bons. Ils sont des gens bons. <laughs> mais, mais ils sont <laughs> compromis par une main cachée. They are being compromised by hidden hands. Derrière le rideau. Alors là, encore un petit extrait. Ces sujets-là, hein, on va revenir. Je joues la première phrase, donc c'est pour ça que je reviens. Ces sujets-là, eh ben tiens, ils sont au courant que elle, elle est là, en train de les remote <laughs> C'est pas, c'est courant, hein, c'est courant. On dirait pas que ça les gêne, mais. Kind of like C'est comme quand même, comme si vous allez quelque part people are kind of like... et que les gens vous disent, mais, mais, on peut vous aider, okay. vous faites quoi, là, vous, là, vous, hein, vous êtes qui, qu'est-ce que tu fous là Let's go through the list of biggies. Alors, puis, ce qu'il y avait quoi de décoré là, ben, j'arrive pas vraiment à traduire. J'arrive pas vraiment à y trouver, euh, comme je n'ai pas les explications. On voit les personnages, on voit des bâtiments ou des objets, des, des structures. Là, au milieu, est-ce que c'est une licorne ou une antenne Ou est-ce que c'est des personnes autour d'une cage C'est des cages Oui, on dirait des cages quand même. Bon, c'est pas grave, reprenons. It's kind of like you go somewhere and bah c'est pas, and pas go grave de to toute façon on peut rien y yeah. faire ah, si on peut oh, aller sur ça. le site donc passons en, en revue la liste des points forts d'abord la scientifique la, la, la communauté scientifique a été complètement compromise the has been totally that biggies... en prenant pour argument que les it n'existent même pas Exist. ou ne peuvent pas exister vous savez là il y en a qui sont des formules monstrueuses, même genre que de formules dont se sert Bill Gates pour arriver à des plans de, de, des populations hallucinantes. Quoi. Hein? Le même genre de formule basée sur une physique qui ne reconnaît même pas euh, quoi les univers électriques euh, qui quoi qui quand dans une de ces formules arrive à une quantité qui s'approche de l'infini, finit par vouloir normaliser la formule et donc ignore cette quantité infinie comme étant euh, une, euh, non interférente. Et puis de toute façon, elle étudie tout dans un système isolé de toute interférence extérieure, qui est une situation qui n'existe pas dans l'univers. <laughs> Même euh, au sein d'une cage de Faraday, il y a des mecs qui arrivent à transformer des éprouvettes de métal mentalement à distance. Oui, oui. On avait M Monsieur Girard en France qui faisait ça. Il n'y a pas que lui. Hein. Il y avait aussi d'ailleurs l'espion israélien réputé le, qui tordait les cuillères. Et c'est pas le seul à savoir tordre les cuillères. Il y a une contactée Ziti américaine aussi qui fait des clubs tous les week-ends. Il tordent des cuillères. Alors on a une collection de cuillères tordues. Tout le monde n'y arrive pas, mais il y a plein de gens qui y arrivent. <laughs> <laughs> tu n'as qu'à imaginer que la cuillère, c'est toi. Non, je ne sais pas. C'est quoi qui dit La cuillère n'existe pas. Repas, oh, non. Et euh, donc, ils se servent de la peur et de l'intimidation de manière courante. The entire... Minant ou euh, oui, effrayant, euh, tout l'établissement euh, éducatoire, éducationnel, éducatif de notre planète. C'est-à-dire ben, les MSM, la scolarité, les facultés de sciences. Et moi, je rajouterais aussi une couche en, en mettant de la désinfo en provenance des religions. Des blocages, des désinfos, plein de trucs. Ils ont un but et ils ont plein de moyens d'y arriver, quel que soit le sujet concerné. Il y a une guerre qui a plein de niveaux et sur chaque niveau, pour vaincre le point, il y a plein de moyens d'y arriver et ils se servent de ce qui leur est disponible de, ou de tout, ou de, pas parce qu'on en a trouvé un, qu'il n'y en a pas d'autres, euh, ou que ça empêche les autres, ou que tous les autres ne sont pas en même temps, ou qu'il n'y en a qu'un, enfin vous voyez, et à chaque fois, à tous les niveaux. Sur tous les plans de l'existence, okay. oui, 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 le physique, l'émotionnel, le spirituel, le mental. Et ils font ça sur l'air, sur l'eau, sur la terre, sur les ondes. Ah, bon, la, la radiation pour le feu. Enfin, bon, Vous voyez, à chaque fois, il bon, y a... Cette idée de, de monde fractal, là, vous la reportez à chaque fois avec un élément en provenance de chacun des dossiers, de chacun des niveaux. Voilà, c'est un tas d'esprit que vous pouvez avoir pour expliquer plein de choses. Reprenons. Donc, les carrières des académiques sont menacées si quelqu'un parle. En deuxièmement. Toutes les compagnies médiatiques ont été compromises. All media have been ben donc là, il est en train de détailler un petit peu justement quelques-uns des, quelques des étages de cette démarche actuelle, de cette stratégie. Media... Les médias des news euh, ridicules euh, frisent le ridicule si elles connectent les points entre eux. If they the dots. From top to bottom, they... Du début jusqu'en bas, ils retiennent la vérité. Sur l'idée qu'ils ne peuvent pas le dire aux gens, ils expliquent leur attitude. Ils ne peuvent pas dire la vérité aux gens à moins que les leaders politiques n'en aient parlé auparavant. Encore, parce qu'évidemment, ces leaders politiques tirent leurs discours des dernières directives du Bilderberg, par exemple, hein, ou de leurs lignes privées, ou de leurs réunions du vendredi soir avec les autres du club, sans éloge, et etc. Alors, et même le Farsight a été shadow, -banné It's being shadow sur Internet, without any obvious reason. sans aucune raison, par Google et YouTube. By Google and YouTube. Sans aucune raison, à... Évidente, hein, justifiée. Euh, faites d'ailleurs des recherches sur le remote viewing, you viewing et vous verrez bien si vous arrivez à nous trouver. Content, no... Et au niveau du contenu, il faut noter que il y a un avertissement de Wikipédia yes, qui est placé sous les vidéos YouTube qui parlent des reptiliens. En effet, vous avez vu s'il y a reptiliens. Titre. <laughs> dessous il y a l'encadre il, ouais, il y aurait les russes aussi hein. il y aurait rt subventionné par euh, le gouvernement russe ouais, comme si euh, nos chaînes n'étaient pas subventionnées par ah ben par qui ah mais par des milliardaires bi par l'état aussi ils nous prennent même notre argent pour nous mentir ils nous prennent notre argent pour nous empoisonner ils nous mettent ar notre argent pour nous taper dessus, on paye les grenades qu'on prend à la gueule dans les manifs. <laughs> Tout à l'heure, je me suis piqué un phare. Euh... Bon, je suis dans je suis comme vous, hein je rigole de nous, hein c'est bien clair, mais j'en arrivais à dire vraiment, on est trop con quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. On fait comme si on rêvait, comme si on allait se réveiller. Aïe 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 aïe. Et moi, comme j'étais un petit peu plus loin dans les situations extrêmes euh, de vie, d'habitat, de, de survie, euh, je, 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 je suis un peu à l'aise, je suis moins affolé que certains voudraient, devraient l'être. Et quand on l'est, après, on nous traite de fearmonger, hein, de sommeur de peur. Non, 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 on prévient qu'il un orage qui arrive. On vous dit pas d'avoir peur de l'orage, on vous dit fermez les fenêtres, vérifiez les fuites du toit, euh, commencez pas à étendre votre linge, et puis c'est peut-être pas le jour pour nettoyer les vides d'or. Voilà l'idée. quoi. Ça ne vous empêche pas de sortir avec un imperméable, un parapluie, en voiture, euh, ou de préparer euh, une activité interne. Enfin, je veux dire. Mais il euh, n'y a, a pas de raison d'avoir peur. Hein. L'orage arrive, l'orage arrive. On n'a pas les technologies Tesla pour les, le détourner, nous. Donc, on va se le prendre. <coughs> Reprenons. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont tenté, ça n'a pas marché. De toute manière, il y a toujours un moment où on s'éteint. Hein Mais pour... en attendant, la vie continue. C'est d'ailleurs la vie. Et on aurait préféré qu'elle soit composée d'autres éléments, on est d'accord. Mais c'est les impondérables prévus qui ont... 80% des gens ont suivi jusqu'à présent sans se poser aucune question tout ce qui s'est passé. Les 11 spritchs pour les enfants, pour les autoriser à aller à l'école, dans laquelle ils essayent de mettre les derniers sprits avec 3X, là, qui, qui est quasiment une infestation de nanotechnologies parasites inv invasives, qui permet le contrôle de l'individu à court terme, plus ou moins court terme. S'il survit. <laughs> Et de toute façon, je ne sais pas si c'est pas intéressant, même s'il calanche. Puisque depuis les cimetières, il y a des émissions de Bluetooth. Là, l'organisme étranger parasite, il a continué à se développer dans les champs électromagnétiques. Si ça se trouve, effectivement, un de ces quatre, on peut réanimer tout le personnage qui va sortir de la tombe. Et hop, Zombiland! Non, non. Donc, euh, il y a cet un, un encart de prévention, euh, d'avertissement, attention, c'est de la conspire, genre, qui est sous toutes les vidéos qui traitent de reptiliens. The state the... Et euh, ils disent que les reptiliens sont une fiction. Sérieusement, les copains, les chers amis, D'où est-ce que vous pensez qu'une telle opinion peut provenir En troisièmement, les leaders politiques sont compromis par le biais d'intimidation et de peur. Intimidation, chantage, peur, euh, oui, et puis à pas du gain aussi. Euh, le gars. Euh, vous savez, euh, Encar. Il y a un moment dans les ivresses où euh, euh, vous n'avez plus soif, vous êtes déjà déchiré, mais néanmoins vous en voulez plus au lieu de vous satisfaire euh, de, du niveau là, de gérer, de faire en sorte que ça dure en fait, de, dans cette euh, ambiance euh, enveloppée, <laughs> de manière durable, euh, calmement, zen, en harmonie. Il hein, y, y a un moment comme ça, bah, peut-être pas chez tout le monde, mais euh, moi ça me dit des trucs ça. Et on, on devient des bois sans soif. Il hein, n'y a plus rien qui nous fait rien du tout là, à ce niveau-là. Jusqu'au moment où il y en a une de trop, quoi. Hein. Alors là, on tombe ou euh, on vire, de, on change de couleur, on shape-shift. <laughs> on shape-shift et on va derrière un, un buisson pour. Euh, <laughs> se débarrasser de l'entité parasite. Mais bon, en général, à ce niveau-là, dans notre aura, il y a plein de trous dans lesquels, enfin, les vraies entités parasites subtiles sur lesquelles je faisais une allusion là, auquel je faisais une allusion, vous en pénétrez plus ou moins. Et j'espère qu'à ce niveau-là, vous sentez bien de vous coucher repu et en zen, parce que Sinon, le lendemain matin, c'est douloureux. Il faut faire le tour de tous les dégâts qu'on a pu faire. C est, c est, ouais. Reprenons. Donc, les, ceux qui sont démocratiques ont été amenés à penser qu'ils ne peuvent pas gagner une élection s'ils discutent ouvertement sur le sujet des ET. Fourth, human... En quatrième les militaires humains ont été partiellement compromis. Ils ont été partiellement compromis, compromis profondément euh, par des, des cadeaux de technologie IT par le moyen, enfin, euh, euh, par l'accès au, au rétro-ingénierie IT de technologies E.T. La plupart de ces technologies provient de vaisseaux qui ont craché. Et on a demandé de l'aide pour pouvoir rétro-ingénierer les matos qu'ils avaient récupérés dans les mais Parce qu'en cas, il y a un bouquin que j'ai là, qui date des années 55 à peu près, ou 60, où le gars, il dit, euh, bon, c'était un spécialiste, ils étaient embauchés dans les laboratoires, des ingénieurs, des pointures, ils étaient confrontés à du matériel, ils ne comprenaient même pas qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble. Euh, ça, ça sortait d'un crash de Ziti, il avait amené pardon, dans leur laboratoire la pièce, l'objet. Il euh, y a des fois, il y a des mecs qui sont morts rien qu'en mettant la main dessus. Il euh, y a des fois où ça a provoqué des réactions incroyables. Il y en a un qui est rentré dans le corps du bonhomme qui l'a déchiré à l'intérieur, il euh, y a des gens qui sont tombés en, dans le coma immédiat. Euh, ils ne sont pas morts et ils sont en, végé, en état végétatif. Donc ça, ce truc-là transforme un corps normal en, en avatar pour euh, que le Ziti puisse l'habiter. Et euh, un costume d'Edgar, quoi. <rire> ça, <rire> pas que la peau, là, tout le corps. Hein. <laughs> c'est pas que le costume, c'est un Edgar. Un, un Edgar. Voilà. Un hectare d'Edgar. Bon. <laughs> et, euh, et des fois, au bout de trois jours, euh, le matin, euh, le gars, il retourne dans son labo, il va voir l'objet, pof, il n'est plus là. Il est retourné de lui-même dans l'ovni. <laughs> l'ovni, qui est inhabité, possède les moyens, le programme ou l'intelligence artificielle intégrée ou je ne sais quoi, de réintégrer l'objet qui, qui faisait partie de son volume notifié, peut-être et de, de le ramener à l'endroit où, où il était stocké dans, dans l'OVNI. Dans hey, mais ça déchire. Et donc, il dit, le gars, il disait, euh, euh, il y a des ingénieurs qui se suicident, euh, on n'avait pas le droit de parler de rien de tout ça, on ne pouvait parler qu'entre nous, et encore, ça dépendait des dossiers. Une telle équipe ne parle pas avec telle équipe, euh, ils n'avaient pas le droit, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit, ils s'autocensurent d'une manière incroyable, et euh, soit ils bossent. Soit ils bossent et ils se soit il, il se thèse, soit, euh, y a un problème, ils parlent, et puis bon, ça arrive à tout le monde de parler, mais quel dommage pour ta famille, mon gars, et puis ton chien, et puis le chien du voisin, et puis le fils du voisin, et puis en fait tout ton voisinage. <laughs> quel dommage. <laughs> Ces gens-là euh, n'ont pas de limite dans l'extrême. <laughs> La femme veut les moyens à tout prix. C'est un état d'esprit guerrier, hein, c'est vrai. On n'y on peut rien parce que c'est à la fois l'inconvénient et le nerf, le nerf stimuleur. C'est le début du cercle vicieux, quoi, mais c'est aussi, euh, euh, aussi du réalisme. c'est pas parce que vous niez le taureau qui vous fonce dessus, ou, ou vous n'avez rien contre lui, ou vous lui envoyez tout votre amour, qui va s'arrêter hein, en général, euh, à moins que vous ayez le niveau Leila Delmonté ou Jedi de base, euh, je crois que non. Mais c'est un niveau qu'on peut obtenir, qu'on peut, qu peut avoir, et qui nous est défendu justement par les bouquins sacrés écrits par les méchants. Ouais, écrits par les méchants. Hein. Après des milliers d'années de pratique, vu l'état de la planète, vu le niveau de conscience des pratiquants, je suis désolé. Quelle que soit, euh, quelle que soit la, la couleur de leur pratique, je suis désolé, il y a un énorme problème à chaque fois. Moi, ouais, je ne sais pas, je pense que je ne suis pas très loin de la vérité là. Reprenons. La vérité dans mon jugement vis-à-vis -vis des auteurs en question. Donc, on a demandé de l'aide à IT pour qu'ils nous expliquent comment euh, se servir de leur technologie. Parce qu'on se l'a accaparé, évidemment. Hein. C'est tombé sur mon territoire, c'est à moi. <laughs> Attends, je ne suis pas mort. Hein. Poum, si, maintenant, ouais. <laughs> oh ben, c'est les Américains, non Ils ne vont pas comme ça d'habitude. Hein, on tire d'abord, on discute après. Bon, bon, non. That's where the explosion... Alors, c'est la raison d'être, l'explication de cette explosion de technologie depuis les années 50, depuis en fait 1947. Il y a une vidéo, 1947, l'année de la disclosure, je crois, euh, faite par euh, Marc Gray et euh, le cinéaste euh, Rousseau. Son prénom, je ne sais plus. Il me semble Rousseau. Hein 1947, l'année de la disclosure, un truc dans le genre. Et l'année de la formation euh, de la CIA, de la NSA, du NRO. Euh, et de plein d'autres choses du MJ12 euh, euh, et de plein plein d'autres choses il s'est déroulé plein de choses depuis et effectivement les gens qui, qui étudient l'évolution des sciences paf là, ils n'expliquent pas, là il y a un chaînon manquant, vous voyez, il y a de nouveau et en fait c'est le même chaînon manquant hein, mais bon il <laughs> y a un chaînon manquant c'est pas le même euh, c'est le même genre de chaînon manquant ouais, c'est pas forcément le même du tout par contre, je dis pas que nos créateurs euh, qui sortaient eux-mêmes d'un laboratoire. Hein. Oui, à, avant d'arriver à la source, il y a un certain nombre de hiérarchies, je pense. Hein. Ouais. D'après Linda moulton les services spéciaux lui ont admis, euh, depuis 270 millions d'années, euh, quatre espèces de ziti se disputent la planète et sa faune. Et parmi eux, il y a les trois genres, il y a bienveillant, malveillant et neutre. Les neutres, ils ne se disputent pas du coup. Enfin, bon, Ce n'est pas le sujet. Reprenons. Et nous, on est un mix de 22 espèces ziti. Euh, on a un ADN qui est déjà un mix incroyable. À partir donc d'un humanoïde très, 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 très adamique, si je comprends bien, qui habitait sur la lyre, la constellation, <laughs> d'où il s'est fait chasser par les dracos à l'époque déjà. Qui eux-mêmes avaient été peut-être bien déjà infectés par la black goo et une intelligence artificielle cosmique négative. Enfin, négative pour elle, elle est, elle est prédatrice, elle est prédatrice, quoi. Vous voyez Mais aucune de ces aides vis-à-vis -vis de la technologie ZT n'est d'un niveau qui puisse menacer les mauvais ZT. Oui. Euh, quand la cavalerie a filé des fusils aux Indiens, elle a filé les vieux, vieux machins. Eux, ils avaient de la nouvelle carabine Winchester à, à répétition. Les autres, ils avaient encore des, des fusils à bourrer, à poudre noire, ou un coup. Vous voyez Et puis en même temps, il y avait plein de whisky, ce qui fait que, bon, on te file des armes, et de toute façon, tu ne seras pas en état de t'en servir parce que tu vas être décaire, parce que tu n'es pas habitué à l'alcool, C'est pas la défense qui te convient. Par contre, quand les Indiens, là, ils prenaient des plantes et tout, ben, ils arrivaient à 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin, ils arrivent dans des états particuliers qui vous donnent une perception accrue qui devait déchirer euh, parmi les troupes euh, envahisseuses. Ben, je vois ça un peu comme ça. Avec les capacités du chaman, le chaman, il fait déjà du remote view, il est capable de dire ça va se dérouler comme ci, comme ça, il faut toucher tel point, euh, les munitions sont là. Euh, là, il y a un passage faible. Euh, ils sont capables. Euh, C'est ce que font aussi les militaires d'aujourd'hui. Hein. Ils visualisent. Il euh, y a la côté informatique pour résoudre ça, et il euh, y a le côté euh, remote view, perception euh, psy, SPI. Oh, That could threaten the, the goal... Le but de tous les mauvais IT. De... recapturer la population... la population humaine et de la retransformer en population esclave avant qu'ils aient pleinement compris en plus euh, euh, l'utilisation et euh, l'étendue des capacités de la dite te technologie. Tech. ET's et si les mauvaises IT peuvent empêcher cette disclosure, cette révélation durant assez longtemps, The good ETs. Les bons ET vont se lasser et vont se barrer. We'll the human can... Alors, euh, la population humaine euh, sera complètement enlacée par euh, sa technologie et pleinement esclavagisée une fois de plus. We'll be strict, encore. What has been given can be... Ce qui a été donné peut être repris. Et on est maintenant de retour aux bons vieux jours de l'Ancienne Égypte, où l'humanité était esclavagisée brutalement, Ruthless. Et si vous avez aimé ça, si vous avez aimé cette époque de l'Ancienne Égypte, ben j'espère que vous allez aimer travailler la pierre. Then I hope you like with Cayenne. <laughs> Cayenne. Cayenne. Da, 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 da. Ah ouais, avec le son du fouet aussi, ouais, le son du fouet au matin. Euh, ne cherchez pas de l'aide de de la part des communautés de channeling. channeling communities. The human are... Les canaux humains, les channels humains sont des gens qui font partie des meilleures personnes parmi la population planétaire. Ils sont bien intentionnés. Ils, sont, ils disent la vérité, ils sont honnêtes et ils veulent aider. Mais les beaux ET, les mauvais ET, y ont vu une grande opportunité pour corrompre cette communauté New Age. Great opportunity to corrupt the New Age community, which is community that could qui est une communauté qui pourrait sérieusement mettre en danger ses plans de recapture de l'humanité. Si elle arrivait à établir la vérité sur notre situation actuelle sur wild. cette planète et que tout le monde arrive à le comprendre pleinement. So. So Donc les informations que ces channels humains Reçoivent, leur sont donnés avec précaution et orchestrés par les mauvais ET. C'est une désinfo organisée très intelligemment. Enfin, intelligemment, en tout cas. Elle est faite pour sembler magnifique et elle est pleine aussi euh, d'indices intéressants. Mais les grandes vérités sont niées et la vérité, ou enfin les grandes vérités sont niées ou cachées derrière euh, une propagande pleine de bonnes vibrations. So, no... Bon, quoi qu'il en soit, chacune des venues, des arrivées, a été compromise. Every venue has been compromised. Political news, media... Ah, venue, c'est entrée, c'est chacun des des niveaux, des points a été compromis. Le niveau politique, les news et les médias, le niveau technique, euh, la société New Age et oui, new age aussi. And yes, even the religious community. et les communautés religieuses à qui on a fait croire qu'il fallait supplier pour le pardon en pliant le genou devant des pouvoirs plus grands. Priez, 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 demandez le pardon. <laughs> vous donnez votre pouvoir, vous abandonnez votre souveraineté envers des entités que vous n'avez jamais vraiment vues dont on vous a dit que vous dit que, dit que dans des bouquins, dont toute logique amène à établir les auteurs comme étant mal intentionnés, quelque part, introduisant de la désinfo dans un bouquin qui devrait en être exclu, qui devrait en être pur. Bon. Alors, vous amenant à supplier pour être pardonné en pliant le genou devant des pouvoirs supérieurs. To higher powers and then pray. Et ensuite de prier afin de ne pas être jeté en enfer parce que vous avez eu quelques pensées non approuvées Some unapproved thoughts. Where do you... par le bouquin. D'où est-ce que vous pensez que provient toute cette désinformation dont on parle là? Est-ce que vous pensez que les humains ont créé ce matériel par eux-mêmes Ils étaient déjà sadomaso Pensez-y. À <coughs> un certain moment, plus loin sur la trajectoire, the of the le centre de la cible montre l'intérieur d'une de ces structures n'est pas sur le sol dans ces ovnis ça pourrait être aussi un hélicoptère un avion hein, en général hein. c'est une surface c'est une structure qui n'est pas sur le sol non surface structure mais on va en remodule il faut pas avoir d'a priori donc euh, tu vois parce que ça flotte euh, c'est statique que ah, bah du coup ça peut être un hélicoptère ou un ballon euh, dirigeable ou voyez euh, il faut Laissez, il ne faut pas d'esprit d'analyse. Vous avez l'esprit de perception qui vous donne les indices qui vous viennent à l'esprit. Et l'étape d'analyse, c'est après. C'est une autre étape. C'est autre chose. Avant d'arriver à faire les deux couramment, <laughs> il faut un bon niveau, vraiment un bon niveau. Bon, reprenons. Where there seems to be a Où il semble y avoir une, une chambre circulaire. Avec de nombreux sujets à l'intérieur. What... Hop, on reprend. Donc c'était Aziz Brown hein, qui parlait là. Et maintenant, euh, qu'est-ce que vous avez reçu de ce, la part euh, de la part de cette vidéo de de news sur les ET Si vous regardez notre série régulièrement, really? ETI... vous verrez que tous les ET sont pleinement miti... militarisés capables de se défendre. Are fully Tous. There are no free Il n'y a pas de pacifiste libre. Il n'y a pas de monde pacifique libre là-dehors. Nulle part. So this e. out there. Only Les, la liberté n'existe que si elle peut se défendre. Si elle est défendue. Enfin, si elle peut se défendre. Si elle dispose de défense quand on l'attaque. C'est ça, hein, Ankara. Euh, L'autre président, il avait une liste noire sur laquelle il autorisait à faire flinguer ses opposants ou certains personnages de par le monde et en France. Hein. Euh, C'est ce qu'on appelle des snipers man in black, quoi, quelque part. Hein. Enfin, vous allez comprendre si je dis ça. Euh, Fig Barma, euh, pareil. Hein. Il y a pas mal de whistleblowers qui sont morts de manière étrange, très rapidement, etc., ou en accident bizarre. Hein. Bon. En fait, dans tous les milieux, c'est la mafia et le, la faim veut les moyens. Et, euh, voilà. Si tu n'as pas les moyens de te défendre, aïe, 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 il faut absolument que tu aies des, des, une stratégie de diffusion immédiate de toute l'information, ce qui fait qu'elle bon, est dehors, elle est dehors. Et puis, euh, euh, des, des dossiers qui sont diffusés. Donc, il faut, avoir, il faut être le petit-fils à Hoover, là, avoir des dossiers secrets sur tout le monde, ce n'est pas notre cas. Donc... Et puis, on n'a pas vraiment de mécène qui est monté une principauté dans laquelle il y a une protection rapprochée de tous les whistleblowers, avec des avocats, avec des, des centres de santé. Avec... Hein il y a des milliardaires là, qui estiment que finalement, ouais, si ça se trouve, il faudrait partager un peu, ce n'est pas juste. Ils en ont assez, de toute façon, ils peuvent le partager avec ce qui nous reste comme temps. Euh, autant euh, alléger son karma, je ne sais pas. Hein Genre, Alors, ben, ils sont où <laughs> bon, bon, non. non, parce que sinon, il euh, y a moyen de faire mieux et plus vite et avec plus de confirmation. Je veux dire, quand vous avez des pointures qui nient la, la propagande des MSM, c'est beaucoup plus fort que si c'est nous qui disons c'est Nawak qui nous traite de conspirateurs parce qu'ils n'y connaissent rien et ils sont payés par justement ce qu'on attaque. Reprenons. Et où ils sont payés. Donc la vérité, la vérité, la liberté n'existe que si on la défend. Si elle peut se défendre. Aussi loin qu'on puisse voir. Il n'y a pas de monde dans notre galaxie qui reste idyllique, des gardiens, des jardins de paradis, intouchés. La liberté n'existe que si des militaires, une force militaire existe aussi. Alors, petit encart, hein, dans ces cas-là, les militaires sont au service de la liberté et des civils en général. Hein, parce que les militaires ils sont pas aussi libres que ça ils doivent tout le temps obéir à un civil euh, hein, il est pas obligé, il, a, il a des règles mais il est pas obligé que doit suivre aussi un militaire mais il est pas obligé de suivre des ordres tous les matins normalement quoi normalement hein. mais bon je sais bien je sais bien alors euh, quoi où j'en suis là ah qu'est- ce qu'elle disait ça va me revenir oui, donc ah. ils sont au service des civils et non pas le contraire, comme on a aujourd'hui les complexes militaro-industriels qui induisent la politique étrangère des États-Unis et de manière couverte, et voire, voire, quoi que voir maintenant, de moins en moins couverte et de plus en plus officielle. Ah oui, c'est un peu va en guerre hein, l'ambiance extérieure. Là. Les Italiens adorent l'OTAN, enfin, <laughs> hein. Melanie, elle adore l'OTAN. Donc, des militaires qui ont la pleine capacité de défendre cette propre liberté. Tout le monde qui n'est pas défendu est capturé par les mauvaises idées qui mettent la population en esclavage. Sans foi, ni loi, rien à foutre. Les lois d'aujourd'hui qui empêchent le port d'armes dans la population civile, ces lois qui ne sont pas respectées par les bandits, ne, ne blessent que la population civile. Les bandits ne respectant pas cette loi, eux, sont armés donc, en quoi est-ce que sécu... il y a plus de sécurité parmi les civils quand on est sûr que finalement les armes ne sont plus qu'entre les mains des méchants? les civils n'ont plus aucun moyen de se défendre, puisqu'il n'y a pas de... de situation de défense euh, disponible pour euh, toute la population. il y en a pour les trois qui font partie euh, du conseil municipal euh, et qui ramènent le plus de sous à la commune, peut-être. mais bon. Euh... Et il n'y a, a plus rien, ni personnel, ni, euh, ni politique, ni conscience, euh, ni moyens, ni, euh, ni suivi euh, judiciaire par la suite qui ne soit pas euh, infecté par les mêmes bandits ou leurs euh, bras longs. Il y a depuis je ne sais pas combien d'années, 30 ans, euh, il y avait des films comme quoi la mafia une, allait investir ses fonds dans l'immobilier, dans la finance, euh, euh, dans les entreprises civiles. Et non pas uniquement dans le crime organisé. Ils se sont mis dans la politique, ils se sont mis dans l'informatique euh, avec des pointures à chaque fois, parce qu'ils ont des moyens <laughs> assez euh, étendus pour se payer le meilleur matériel et euh, stimuler avec des, des salaires les plus affriolants les esprits les plus demandeurs euh, de ce genre de bénéfices de la vie. Reprenons. Research, have... Avec toutes nos recherches, nous n'avons trouvé aucune exception à cette règle. Il n'y a pas de, paix, de monde libre qui ne soit pas défendu. Tous ceux qui n'étaient pas défendus se sont trouvés esclavagisés. I have not any to this. Exploités complets, là, comme nous, là, avec traite d'humains, euh, élevage, euh, enfin la totale. Quoi. Souffrance à tous les niveaux, pas de finalité, massacre ouvert, sacrifice sanguin. Sacrifice par le feu, hein. une guerre, c'est un sacrifice par le feu quelque part. Ouais, <laughs> imaginez. Enfin, etc. Etc. Hein. C'est pas le sujet. Donc, ils n'ont trouvé aucun monde libre qui ne fût défendu. Sérieusement, avec des capacités le, les plus poussées possibles. Même le physicien Stephen Hawking nous a prévenu que si jamais on rencontrait des IT alors, Ankar, lequel est-ce Il a l'air bien jeune, là. Parce qu'on en connaît au moins quatre, hein, des tronches de Stephen Hawking. Oui, c'était le porte-parole de la science officielle et notamment de l'astrophysique. Alors, euh, il y a eu de nombreux sosies qui l'ont remplacé. De toute façon, il y a une maladie qui l'empêchait de vivre au-delà de ses 25-28 ans, normalement. Hein. Oui, alors, il ne peut pas avoir vécu aussi longtemps. Et puis, alors le voyage dans la navette et tout ça, ben, bien sûr. Tiens, J'espère. Reprenons. Stephen that if we an extraterrestrial... Donc, si jamais, nous dit-il, Stephen Hawking, son si rencontre, l'un d'entre nous on rencontre une civilisation extraterrestre, ils vont chercher à nous conquérir. La seule chose qu'il a eu de faux dans cette euh, annonce, c'est que ça s'était déjà produit il y a bien longtemps. That wrong is that this What we are doing now, et ce qui se passe maintenant, c'est que nous sommes en train de nous battre pour nous libérer. Is struggling to break free. But, y, mais il y a plus. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous recevez en plus? Qu'est-ce que vous gagnez à regarder la, la série des ET News? Eh bien, c'est que le Remote View that remote viewing and et la télépathie... Sont des clés à l'émancipation de l'humanité. Sont des clés pour l'émancipation de l'humanité. N'oubliez pas, hein, la communication animale, c'est déjà aussi une télépathie. Et en fait, même euh, la télékinésie, c'est une sorte de télépathie. Ce pas les mêmes euh, genres d'attention, la même fréquence, euh, mais euh, c'est le même domaine, hein, globalement. Donc, la télépathie et le remote view », sont des, des, des outils majeurs de l'émancipation de l'humanité. Alors évidemment, on vous dit télépathie, c'est n'importe quoi, le remodule, c'est n'importe quoi. Les mecs, dans l'armée, ils, ils font des projets qu'ils subventionnent à, des, à, à hauteur de millions de dollars depuis 1950 et même avant. Et même avant. La société Vril, avec ses euh, médiums féminines aux cheveux longs, par télépathie, a pris contact avec euh, les gens d'Aldebaran par télépathie, a reçu des plans pour construire un Hanobo et des textes qu'ils ont pu écrire en sumérien ancien quasiment, alors qu'elles ne parlaient pas sumérien ancien. Donc elles étaient vraiment euh, possédées là, en channel complet, médium. Alors, bon, euh, oui, peut-être que c'était euh, du Black Knight Satellite qui avait une émission régulière. Ah, ah, ah le Black Knight Satellite ah, Ami, Ami Chann Channeler, vous êtes branché sur le Black Knight Satellite, émission du soir. Ashtar Commode Et demain, nous passerons à Métatron. Et après-demain, euh, l'ADS. Et. Euh, Jésus et Saint-Michel, ensuite, et puis après. Ah, mais je ne dis pas que ces entités n'existent pas non plus, aussi, mais je ne dis pas, je ne serait vous je ne certifierai pas que leur message est euh, euh, positif à 2000. Et ils ont les moyens de vous faire penser, d'orienter votre pendule, hein, à vous le faire tourner euh, pour confirmer et leur dire. Ils ont, ils ont des moyens comme ça. En The bad ETs worry of... Donc, euh, les mauvaises ET ont peur que les humains arrivent à réaliser pleinement ça. ETs... Qu'avec ces deux extréments sous-entendu, euh, la télépathie et le remodule, nous puissions que ce soit une voie pour nous de libération, de nous libérer de l'emprise. Et c'est aussi une voie de récupération de nos souverainetés quelque part. Notre souveraineté, c'est aussi le plein exercice de toutes nos capacités. Bon, allez, on reprend. Tous les IT, les, les deux, les mauvais comme les bons, utilisent le remote view et la télépathie. Both good and bad. Use and telepathy as ease... Aussi serment que nous, on respire. Aussi facilement que nous, on respire. If the of and... Si la réalité du remote view et de la télépathie était globalement accepté parmi l'humanité. Alors tout le château de cartes de cette oppression s'écroulerait. Et les mauvaises idées seraient alors exposées aux yeux de tous, clairement et nu En pleine vue, on va dire. Alors euh, elle qui fait du Rimoudjou depuis l'Afrique, il me semble. Elle nous dit, là, que cet endroit est, poison... est empoisonné. This place is This place is like... Alors, je ne sais pas où c'est, par contre. En haut, c'est peut-être un ovni, hein je ne suis pas sûr. And Donc, cette place est euh, empoisonnante, enfin, po est poison, et elle empoisonne. But wait. Je sais pas d'où elle parlait. Bon, mais attendez, il y a encore plus. And this really is for you to Et ça, c'est vraiment important que l'on comprenne. All of our human Tous nos militaires humains ont besoin d'être mis à jour. Need to be upgraded, upgraded c'est pas updated, non, c'est pas mis à jour, c'est améliorer euh, boosté. Et parvenir à un entraînement complet au niveau psy ou dans la guerre psychique. En cas, je ne fais pas faire de pub pour Tim Rifat, mais une fois de plus, j'ai comme qui dirait l'impression que ça faisait partie des points à garder dans l'itinéraire des trucs à relier. Là. Bon, reprenons. Alors, ça, ça dépense grandement qu'on euh, qu parvienne au point que les militaires acquièrent ces capacités gain, to work with... pour pouvoir travailler avec des IT qui euh, se basent sur la télépathie pour communiquer. Who rely on télépathie to the bad ETs fight... Les mauvais IT mènent des guerres, with physical... pas uniquement avec des armes physiques. Weapons. Mais leurs armes de premier choix sont au niveau mental. Et s'ils peuvent contrôler leurs esprits, les esprits de leurs ennemis, l'esprit de leurs ennemis, ils peuvent gagner toute bataille sans opposition. Sans, sans qu'il y ait d'opposition réelle. Les ETIs se repose sur la guerre psy pour à la fois espionner et aussi pour se battre. En plus, leurs capacités psy sont améliorées, sont boostées de manière à la fois génétique. Et technologique. Encore, les Russes avaient déjà, à une époque, les années 70, 50, 70, ils avaient déjà une pièce dans laquelle, enfin, c'était le volume d'une pièce dans laquelle il y avait une sorte d'ordinateur. c'était pas qu'un ordinateur, c'était un amplificateur des capacités psychiques d'un médium qui était dans un siège particulier, qui récupérait son énergie quelque part. Ça, ça, ça multipliait, euh, ça le boostait, quoi. <laughs> Il y avait toute la pièce, par contre. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est réduit, ça tient dans une, une, la pierre d'une une bague. Par exemple, un cristal. Euh, une baguette magique, genre, genre ce qu'on appelle baguette magique, qui est un condensateur fluidique. Euh, ouais, enfin bon c'est un autre sujet quelque part. <laughs> Reprenons. Okay. Donc, euh, ces IT, ils sont améliorés de manière génétique et en plus, ils ont de la technologie qui les booste. Their physical weapons are... Leurs armes physiques used sont utilisées in... le plus souvent pour intimider, même pas pour détruire. Intimidate, not to destroy. The bad ETs les mauvaises ETs veulent contrôler les civilisations, ils ne veulent pas les éliminer. To control not eliminate them. So -weaponry is... Donc, euh, l'armement psy est un, d'une grande priorité pour les ETs. Et les mauvaises ETs l'utilisent pour leur donner la, la capacité de démolir la volonté, d'écraser la volonté de leurs opposants. Et les bons IT l'utilisent pour se protéger plutôt, par contre. Rappelez-vous, il n'existe pas de civilisation libre dans notre galaxie qui ne soit défendue qui n'aient les capacités de se défendre. La défense militaire n'est pas un luxe dans cette galaxie. Et c'est essentiel où on est grillé, cramé. Mais il nous faut nous aller au-delà. Juste de nos armes physiques de destruction. Nous, ça, on en a déjà des trucs comme ça. Mais au niveau psy, il faudrait que ce soit plus répandu. Là, il faudrait que tout le monde soit capable. Mais d'ailleurs, tout le monde est capable. Oh, quasiment tout le monde est capable. Tout le monde ne serait pas Mozart, mais tout le monde arriverait à faire ding-ding-ding-ding-ding dang, dang, ding sur une, un piano. Ou même à la guitare. Moi, il y a des jours, je fais deux lignes de bling et trois lignes de bling. Et euh, je m'en rappelle la semaine d'après. <laughs> bon, petite référence à Bobby Lapointe pour les amateurs de, de gags musicaux et mathématiques, hein, pointu quand même. Il y a un code derrière le travail de Bobby Lapointe, il y, a, il y a un code binaire, enfin avec une base en 10, je crois, ou non, pas en 10, justement, en 9. Une base mathématique en 9 de codage des syllabes avec les notes, enfin, je suis sais pas. C'est un truc assez pointu en fait. Et ceci dit, Bobby Lapointe, on l'apprécie pour sa poésie là, quoi, pas forcément pour tout le reste de son œuvre. Mais il a fait du cinéma aussi, un petit peu, c'est pas très bon. Mais... <laughs> Reprenons, ça n'a rien à voir. Alors donc, il nous faut aller au-delà juste de ces armes de destruction de cet armement de destruction. We need to add to our... Il nous faut additionner tout un arsenal de capacités défensives the of au niveau psy. The the to... La capacité de, de disposer du plein arsenal de notre armement mental. Encore, c'est celui que je n'avais pas à disposition lorsque euh, j'ai croisé mon, mon entour... en, 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 en Corneille, <laughs> euh, en Inde. Hein? Parce qu'il a fait une pénétration directe, aller-retour, implantation de programme, <laughs> l'espace d'un clin d'œil. <laughs> mais mais j'étais quand même déjà en double attention quelque part. Je, mettrai, je pratiquais ça tout le temps, notamment à l'époque. Et, et il n'a a, peut-être pas. Il a pas pu. Voilà, ça, ça lui a plu quelque part. Euh, ça ne lui a pas posé problème, mais ça lui a plu. Et ça l'empêchait aussi, peut-être, de faire autant de ravages que sinon il aurait pu faire. Vous voyez C'est-à-dire que si à partir du moment où vous voyez aucun intérêt à préserver la chose, euh, la chose, moi, quoi, <laughs> euh, vous le négligez complètement. Et si... Euh, ben, comme actuellement, hein, ceux qui lèvent les mains d'un certain côté de la frontière, là, bon, ils ne se font pas massacrer. Ils, vont, ils sont peut-être pris prisonniers, mais ils ne se font pas massacrer. Euh, les autres... Euh, même pas, ça vaut la peine de. Ben voilà, quoi. De toute façon, c'est des gens qui ne tolèrent jamais, qui, qui ne tolèrent qu'eux. Hein. C'est un genre de folie. Euh. Il y en a que pour nous, il y en a que pour nous. Euh. C'est gravissime, mais euh, c'est gravissime parce que <laughs> on les finance. Reprenons. Ben, on Nous, non. Hein. On ne peut rien y faire. Hein. Toujours les mêmes enflures qui, après, disent l'humanité ne mérite pas, Ou elle n'a qu'est-ce qu'elle mérite, alors que dès qu'il y en a un qui se lève, on. Ils font tout pour euh, leur abaisser. Ça, on oublie de le dire. Hein. Les cimetières sont pleins de résistants quand même, avant l'heure. Reprenons. Euh, il nous faut devenir des utilisateurs actifs de nos capacités de guerre psy. Alors, c'est PSI, hein, pas Y. Hein. C'est euh, les pouvoirs mentaux euh, extracorporels. Hein. Et dans lequel le, le, le plan psychologique a une grande importance aussi dans la pratique, mais c'est rien à voir. <laughs> c'est PSI. Reprenons. Do not be critical of the military. Et ce sont des critiques vis-à-vis de, des, -vis des militaires des nations libres de cette planète. Il n'y a pas de nations libres. Donc, on va... Voilà. Ils sont même pas unis pour lutter contre l'envahisseur qui est international. Enfin, ouais. il est réparti sur toute la planète. Ils sont répartis sur toute la planète. On a besoin d'eux, de ces militaires, et nous avons deux, même, euh, même améliorés en étant boostés. Il nous en faut plus d'entre eux qui soient boostés avec des capacités psy. Si nous espérons sauver cette planète. En passant, that is an... ça c'est une autre raison you... pour laquelle vous devriez voir et suivre notre série nouvelle, watch our new qui est Les conversations avec Harvey. Harvey c'est le prénom, le surnom qu'il a donné à son contact Ziti, que Courtney Brown euh, interview à trois reprises maintenant déjà, euh, sur une plage de nuit, en télépathie. Il, il est assis là sur son siège, il y a un siège à côté où est assis euh, le ziti, mais il est assis dans la dimension euh, éthérique. Il n'influe pas sur le physique du siège, mais il est assis là, à cet endroit-là, dans son monde qui interpénètre le nôtre, vous voyez, et dans lequel il, cette partie-là du corps de Courtenay, être en activité, voilà le, le niveau de décontraction et euh, le niveau vibratoire euh, encéphalique de ces, des ondes cérébrales et euh, la gestion des énergies, le centrage, enfin cette, euh, cette qualité d'être et de conscience qui est euh, le terrain de base pour pratiquer en général le remote view, la, la télépathie et plein d'autres choses. Et donc avec l'exercice, vous finissez pour, pour, par pouvoir faire ça, même en étant debout vivant et pas forcément, euh, euh, enfin, ou en laissant ouvert en plus euh, d'autres euh, trains d'ondes pour pouvoir être actif. Je veux dire, vous êtes en train de courir et vous faites du REMODU en même temps. Par exemple, genre, euh, euh, là, une, on a l'équipe qui, qui dessine au tableau en parlant et en expliquant tout en étant en train de capter les choses. Vous voyez, elles font déjà les deux en même temps. Tandis que vous, si vous commencez au départ, il faut relaxation, respiration, centrage, enfin voilà. Il y a tout un rodage à maîtriser. Reprenons. Donc, c'est les conversations avec Harvey que vous trouvez sur farsightprime.com F-A-R-S-I-G-H-T-P-R-I-M-E et c'était grand F pour faire site aussi. Point com. Donc, vous allez assister à de la télépathie en temps réel, des communications qui ont été enregistrées en live. Le plus on les voit, le plus vous seriez familiarisé avec la manière dont la télépathie fonctionne. Et le plus, vous serez confortable vis-à-vis de cette notion et de cette pratique. C'est troublant de le voir au début en temps réel, et ça prend quand même des sérieux efforts pour devenir efficace à le faire. À pratiquer. Donc, regardez et apprenez. Your freedom and the freedom of... Alors, il y a deux personnages dans l'équipe de Farsight qui donnent des cours privés, personnels, en dehors du Farsight, même s'ils en font euh, signal euh, sur la chaîne générale. Mais ça n'a rien à voir avec euh, euh, le travail là qui nous est offert gratuitement, à part quand vous avez euh, des censures bizarres qui interviennent et qui les obligent à transporter le matériel borderline sur une chaîne privée. Parce que là, maintenant, il y a des libertés plus grandes que sur YouTube, Google, où vous ne pouvez pas dire autre chose que la doxa officielle, vous voyez. Il y a ça qui leur permet d'être encore en train de pouvoir nous diffuser ces informations-là, sans être censuré, par exemple, ou sans peut-être avoir d'autres problèmes. C'est l'espace dans lequel le, le free will, le libre arbitre, est peut-être respectable, c'est que vous avez tout construit à votre niveau, vous ne servez de rien de, de ce que vous critiquez. Ouais, bon, comprenons. Et puis c'est peut-être, hein, j'ai cube. Bon, ben voilà. Donc ça, c'était ET News. Et euh, comme vous avez été sages, d'emblée, on entre... <laughs> on enchaîne sur euh, la vidéo suivante, euh, aussi du Farsight. Qui, dont le titre est « Les contrôleurs des reptiliens ta, ». Ta, ta, ta. Euh, il n'est pas habituel, enfin, il n'est pas utile d'attendre que les mainstream médias reconnaissent l'existence des reptiliens. Donc ça, c'est M. Courtney Brown, qui est directeur du Fortsight Institute, euh, qui, est, qui a été remoduleur, qui l'est encore, qui euh, a mis en place des méthodes, qui euh, gère euh, le farsight, et, etc., etc., et qui, là, vous le voyez, a à peu près 70 ans. <laughs> vous le voyez au cou, à la peau de son cou, quand même. Mais bon, euh, lui-même, euh, il se sert de son corps comme expérience. Il mange très, très peu. Il est en hypocalorisme, si on peut dire. Et il, il, il travaille sa longévité parce qu'il a remarqué, pas ses études officielles, mais il est, il est suivi médicalement, hein. il a remarqué que les gens qui n'étaient pas assez nourris vivaient plus longtemps. Quand leur manque de nourriture ne, ne les flingue pas, hein, évidemment. Et donc il est suivi, équilibré pour ses repas. Euh, euh, enfin, il y a des trucs, il, Voilà. <laughs> Il a fait toute une vidéo même où il parle de sa chirurgie esthétique, où il déplace les, les zones de graisse pour les mettre sous sa peau, parce qu'il a, a fondu de partout et il avait une tête de momie. Quoi. Il a dit « je ne peux pas avoir une tête pareille ». Donc, il a fait la chirurgie esthétique pour remplir les, fausses, les creux du visage avec des graisses qui lui provenaient de son corps, mais ailleurs. Oui, c'est un peu spécial hein, quand même, mais ça, c'est un, une démarche pour lui, pour le plaisir de se voir jeune quoi, quelque part, avec un visage harmonieux. Et pour nous aussi, qui avons plus de plaisir à le voir, lui. Euh, C'est comme moi, si je me rase et que je. Euh, Imaginez que j'ai des rides, hein, moi. Imaginez que j'ai des rides. <laughs> hein, vous seriez super, euh, putain. Oh, non, non ah, il a des rides en plus. Reprenons, je déconne, je déconne. May... Donc, ce n'est pas la peine d'attendre que les médias reconnaissent que les reptiliens existent. Euh, ça ne va pas arriver euh, d'ici bientôt. À moins qu'il y ait une poussée plus généralisée vers la révélation généralisée de l'existence des cités, vers la disclosure en un mot. Alors, jusqu'à présent, les mainstreams refusent de reconnaître qu'un extraterrestre existe, ici, sur Terre, ou même où que ce soit dans l'univers. Hein, ils ne savent pas ce qui s'y passe, mais ils, euh, ils savent ce qu'il n'y a pas. <laughs> Donc, euh, les mainstreams ne nous sont simplement d'aucune aide maintenant. À personne, pour personne. Mais notre propre travail, nous dit Courtney Brown, qui euh, implique le Remote View, ce travail suggère que les reptiliens sont des joueurs majeurs dans la galaxie, des, élèves, des acteurs majeurs dans la galaxie. C'est un groupe hostile, les reptiliens d'extraterrestres, qui ont leur propre empire. Ils traitent les humains comme on traite, comme nous les humains traitons les animaux dans une ferme d'élevage. Nous les humains, nous sommes une ressource exploitable pour eux, de la même manière que nous, nous exploitons les animaux. Enfin, que les animaux sont une ressource exploitable pour de nombreux humains. D'après les reptiliens, les humains ne méritent pas d'être autodéterminés. L'accès à leur autodéterminé, au libre arbitre. Comme un troupeau de moutons, on doit être mis en parc, contenu, contrôlé et utilisé, très... At best, look at au mieux, les, les reptiliens considèrent les humains comme des animaux de compagnie, pets. leurs animaux de compagnie. Pets. When they were in Donc, elle, elle nous dit que quand ils étaient dans la galaxie numéro 2, il y avait au moins un équilibre des forces. There were no. Tandis que maintenant qu'ils sont dans le, la Voie lactée, the no force. il n'y a pas de force mitigeante. Et donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, en général, ils causent beaucoup de troubles, de problèmes ici dans la Voie lactée. Bien plus qu'ils n'en avaient créé auparavant, auparavant dans leur univers d'origine. Leur zone d'origine, on va dire. Mais je pense que c'est un autre univers, ouais. Bien, chers amis, euh, les gens ont tendance à se répéter. Ils aiment bien faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et c'est vrai pour tout le monde, et c'est vrai aussi pour les extraterrestres. Les reptiliens clairement aiment contrôler les autres, toutes sortes d'autres, y compris des humains. Il n'y a, a pas que l'espèce humaine qui est esclavagisée par les reptos. Les gris aussi le sont, enfin, il y a plein d'autres humanoïdes. Et j'étais tombé sur une source qui disait qu'il y avait 14 autres euh, sociétés humanoïdes euh, qui, qui étaient sous le joug reptilien. Et on n'était pas les plus primitifs, mais on n'était pas les plus évolués non plus parmi eux. Mais donc, euh, c'était aussi 14 sociétés qui étaient en voie de libération et que nos efforts pour, nous, pour se libérer nous-mêmes, nous, allaient aider les autres à suivre le même chemin. C'était une vieille vidéo là, qui, est, qui était intéressante. Là. Et mm. euh, il, il listait les 14 euh, noms. Donc, il y avait les humains, c'était un des 14 noms. Donc, euh, 13 autres planètes, euh, comment on appelle ça, les, les planètes euh, et des exoplanètes. <laughs> Enfin, pour elles, la Terre est une exoplanète aussi. Reprenons. Et donc, ils aiment bien contrôler les humains et c'est ce qu'ils font. Ils ont appris. Alors, bien, ils ont dû apprendre à ce comportement de quelque part et de quelqu'un. Et d'où vient l'origine de cette fichue mentalité de contrôle Bon, finalement, ils ont décidé de faire une session remote view sur euh, la, le, le, le fonctionnement mental du reptilien, sur le moteur de cette mentalité reptilienne. Qui les contrôle euh, Qui garde les suies Et qui... Note et contrôle ce qu'ils font. Subject Z. Alors, euh, Aziz Brown, qui est donc le fils euh, de Courtenay, hein, euh, il parle du sujet Z, qu'il qu a dessiné, dont on nous a mis une illustration là à droite, hein, ouais. et euh, qui est conscient de sa présence, Aziz, seems aware of me. Sa présence Henri remote viewer. Il arrive dans l'espace mental dans lequel il croise la constitution mentale d'une représentation d'un monde dans lequel il y a un personnage qui voit arriver l'entité Aziz Brown énergétique, mentale il est là en train de bricoler et il voit Aziz qui arrive et euh, énergétiquement il y a comme une légère tension <laughs> un petit choc ou une question May I ask you a alors, il lui demande Est-ce que je peux te poser une question Answer, if you must. Et alors, alors Reptos il lui répond Si vraiment tu es obligé. <laughs> Puisqu'on ne peut pas t'en empêcher. <laughs> question Alors, quels sont vos sentiments vis-à-vis -vis de votre numéro un Question sont vos sentiments vis à votre boss? Réponse. It is essential for their... Il est essentiel pour euh, la zone, pour nous ici. Et Aziz semble qu'il l'entende dire le mot Draco à ce moment. The word draco in this point, supremacy. La suprématie des Dracos. Now, this... Bon, euh, cette, euh, ce système de croyances fasciste et raciste. <laughs> semble être le support pour le rôle de cette espèce euh, enforceur, euh, c'est-à-dire euh, euh, militarisée, si on peut dire, sous pouvoir exécutif, qui pourrait, dans notre cas, être défini en tant qu'espèce qui est utilisée pour contrôler d'autres espèces. Other species. If the reptilians see... Et euh, si les reptiliens se voient eux-mêmes en tant que force d'application d'un pouvoir, as an species, their beliefs... leur système de, re... de croyances fasciste remplit parfaitement le, le rôle nécessaire. Role can be no sense of guilt. Il ne peut pas y avoir de sentiment de, de culpabilité. Si quelqu'un est au contrôle are... d'autres espèces de, euh, qui semblent sérieusement bien en dessous de son niveau. All, some... Après tout, quelqu'un a besoin, il faut bien qu'il y ait un commandant à bord du bateau pour utiliser cette métaphore. À moins de risquer qu'il ne coule à la suite d'incompétence euh, lors de, des opérations. Okay. So, fasc... Donc, euh, le système de croyances fasciste reptilien justifie, in the reptilian mind, dans l'esprit des reptiliens, le besoin de contrôler les autres, they need to tous other... les autres. All And their mind, they are... Et dans leur esprit, ils sont, ils, ils, ils aident tous les autres à mettre les choses en ordre. Et évidemment, les espèces qui sont du bas du grade, le, du niveau le plus bas, devraient même être euh, euh, gratifiées, euh, être euh, dire merci qu'un tel être supérieur existe et qui s'occupe de leurs affaires. Bien sûr, ça semble terrible d'un point de vue humain, un tel This système de croyances the... qui justifie les horreurs des cas d'abus systématiques et d'esclavage. Mais de la part de la perspective reptilienne, une telle objection sont le résultat des capacités d'un esprit inférieur, de la réflexion d'un esprit inférieur qui ne comprend pas la réalité du fait qu'il y a certaines espèces qui sont designées pour rouler, bah, pour rouler, bah, pour, euh, euh, <laughs> pour gouverner. Et que ces espèces euh, inférieures ne peuvent prospérer que, prospérer que si simplement elles acceptent cette réalité. Donc, Jeannie, elle est en contact avec une autre espèce, là, qui ressemble un peu à un pangolin, <laughs> sans museau, et euh, elle veut savoir. Euh, le feeling. I want to know the feelings. What feelings subjects G have for subject one? Le le feeling que eh, cette entité ressent vis-à-vis -vis de son boss. In their unique creator created relationship. Dans le cadre de leur relation privilégiée entre l'entité là dessinée à côté et le boss, leur boss. Leur boss qui se la joue aussi, notre boss. Il hein, euh, y a une hiérarchie là, à ce niveau-là, dont on trouve mention dans nos textes sacrés. Enfin, et il a un peu usurpé le, le poste de celui dont on fait mention et on, il est noté à quelques reprises euh, euh, sa présence aussi, mais pas beaucoup, deux ou trois, je crois. Enfin bon. C'est un peu une association entre deux entités. Il y en a un qui fait le support physique et l'autre qui fait l'énergie mentale, si on peut dire. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc, elle n'arrive pas à montrer quel genre de feeling. Il semble qu'il y ait une vénération, à défaut de trouver un meilleur terme. But in a universe as large and diverse, Donc, mais dans un univers aussi grand et diversifié que le nôtre, as ours, it seems just as control, il semblerait aussi possible qu'un autre groupe contrôle les reptiliens, un groupe externe. Group. Group started, et ça pourrait être un groupe qui a commencé de manière séparée des reptiliens et qui est ensuite manipulé ou contrôlé les reptiliens, l'espèce reptilienne, dans leurs activités. Mais ça pourrait aussi être une situation où les reptiliens eux-mêmes utilisent cet autre groupe de manière à créer une complexité de contrôle sur leur propre groupe, et que ce soit, ça, ce soit plus manipulable. Et spécialement dans une situation dans laquelle in a situation in which this group is ce groupe est de, distribué de manière est réparti de manière très large tout autour de la galaxie c'est the une chose de contrôler les gens qui sont localisés say, disons, disons, previous... tels que l'allemagne nazie l'a fait au siècle dernier But when a group is dispersed, Mais lorsqu'un groupe est dispersé tout autour de la galaxie, galaxy, the of losing, la possibilité de perdre le contrôle de ce groupe, dû à la faiblesse the weakness des relations and the strength of, ou à la faiblesse de la force du, du contrôle centralisé, devient possible. La perte de contrôle devient une possibilité réelle. Encore, illustration, durant l'Empire romain, au bout d'un certain temps, telle île prenait son autonomie, arrivait à remonter des, remonter des forces et des fois récupérer son indépendance, vous voyez, parce que les Romains étaient en, en décadence ou attaqués sur d'autres fronts et ne disposaient pas de enfin, de, du matos nécessaire pour agir, vous voyez. Voilà, c'est ce qui est sous-entendu là. Alors, si les reptiliens devaient se répandre dans toute la galaxie, ils devraient, avoir, ils devraient utiliser une sorte de méthode pour maintenir leurs propres membres sous un, une directive constante. Et. Une, une stratégie, quelque part, qui sera définie par le contrôle d'à la fois la structure de croyance et du comportement. And And or... Une religion, par exemple. <laughs> Avec des cérémonies et, euh, ouais, par exemple, hein. il y a le côté théorique, là, 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 puis après, il y a le côté pratique. Je dis ça lorsque sonne le glas. <laughs> <laughs> reprenons euh, donc elle nous dit peut-être qu'il est emprisonné ou il ne peut avoir ce que j'estimerais être des pensées indépendantes Just have, have independent thoughts, but, um, en parlant d'un sujet là-dedans hein. Two, I see, like, there's this galaxy here. Donc elle dessine une galaxie. And here I see G. Elle voit des sujets qu'elle va appeler G. Et elle voit d'autres sujets dans un autre endroit, une autre galaxie. Donc un groupe de contrôle extérieur peut avoir une origine extérieure. Mais aussi une origine intérieure. Et la clé ici est que le besoin de contrôle sur un tel groupe tel que les reptiliens, qui sont déjà dispersés sur toute la galaxie, ça doit être évident qu'il y en a un, le système de contrôle. Quelqu'un aurait bien and vu la, le besoin d'avoir un tel contrôle. That same someone Et ce même quelqu'un devrait quelqu bien avoir pensé aux moyens de le réaliser. Alors, elle, elle a ressenti que cette euh, intelligence artificielle ressemble à celle d'un ordinateur. It was like a computer. I say... Elle sait ça parce que it feels very ça lui paraît très intriqué. Like Et le fait aussi que c'est toujours à l'affût d'une nouvelle qualité d'onde. Kind of, uh, like Ou de toutes les. Nouvelles apparences, changements, dispositions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand vous faites tourner un programme sur un ordinateur et qu'il peut y avoir des milliers de choses qui se déroulent et que le résultat évolue en fur et à mesure de l'évolution des choses. Donc, ce projet sur les contrôleurs des reptiliens, Essaye de comprendre comment est-ce que les reptiliens ont pu maintenir un système fasciste aussi serré parmi eux-mêmes. Étant donné leur distribution tout autour de la galaxie, eux, les reptiliens, ils auraient dû se balkaniser quelque part et se partager en divers groupes. Combattants ou pas combattants, il y a bien longtemps, depuis maintenant, enfin jusqu'à maintenant. Ils ne devraient pas être aussi unifiés dans leur comportement ou leur système de croyance. Lorsqu'un ISBI euh, est laissé à sa propre, à son propre libre arbitre. On trouve des fragments d'eux-mêmes dans des sous-cultures identifiables, avec différents langages, systèmes de croyances et même formes de gouvernement. Regardons simplement l'Europe et vous n'avez qu'à voir l'Espagne, la France, les Italiens, les Allemands. See Spanish, French, Italian, German, and all other such et tous les autres sous-groupes, oui, euh, j'ai dit euh, Espagne, non, espagnol, euh, italien, hein. et donc tous les autres sous-groupes se sont formés. Euh, vous pouvez constater à quelle vitesse et de manière naturelle cette fragmentation s'est déroulée fragmentation occurs, et se produit. No Mais on ne voit rien de comparable comme fragmentation au niveau des reptiliens. Since they too are ISLIs, Alors qu'eux-mêmes sont aussi des isbis, from... il doit y avoir quelque chose qui empêche cette fragmentation de se produire. Someone or something. Il y a quelqu'un Quelqu ou quelque chose qui les maintient sous contrôle. Them under and that is... Et ça, c'est le moyen, ça, c'est le but derrière le projet que nous a... vous invitons à venir voir sur forsytetripe.com. Who or what? Alors, quoi ou qui contrôle les reptiliens? Is controlling the reptilians. Irlande! <laughs> euh, eh bien, voir vo la séance complète sur le documentaire, comme tout à l'heure, www.farsightprime.com -e tout en minuscule là ça le fait aussi. Bon euh, si vous, vous abonnez vous avez un mois pour vous désister mais aussi un mois pour fouiller tout le site voilà donc euh, vous pouvez peut-être faire un truc dans le genre et on, on nous suggère en général de nous ab abonner dans ces cas-là avec cette démarche en tête euh, au début du mois comme ça ça vous laisse vraiment tout le mois pour tout fouiller parce que vite fait vous allez voir que vous tombez sur des tant de tels dossiers que vous y passez facilement euh, le mois, si ce n'est plus à tout éplucher, parce que c'est des heures et des heures et des heures, hein et puis que le reste de la vie continue quand même, et que bon, on ne peut pas passer 24 heures sur 24 sur un seul sujet, a priori. Mais si on pouvait, ça en prendrait quelques journées. Hein voilà, ben bah écoutez, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore euh, dont je voulais vous parler Ah oui, ah oui. <laughs> c'est... Euh... Le suivant, mais bon, c'est un autre C'est un une interview avec Benjamin Fulford qui est confronté aux opinions de deux personnes là qui, qui sont bien fondées, enfin, qui, sont, qui ont les pieds sur terre et qui se posent les mêmes questions que nous. On entend Benjamin Fulford trouver que la reine d'Angleterre était une belle personne. Alors l'autre, il dit oh, Ah bon Et il lui parle de plein de choses. De choses, hein. tout Epstein, euh, son, le, le prince machin, euh, les enfants canadiens euh, inuits, euh, enfin aborigènes, euh, euh, enfin plein, euh, plein de trucs. Et Ben, il dit Oui, mais elle a quand même sauvé des millions de gens. Alors, déjà, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a sauvé des millions de gens, mais enfin, bon. Euh, et puis euh, l'autre, il dit Oui, oui, mais faire rentrer dans son palais euh, tel de DJ euh, pédocriminel. Euh, etc., euh, lui donner la décoration quand même. Euh, oui, mais il faut faire la part des choses, dit Ben. Oui, bon, bon, écoute, euh, bah, je ne suis pas tellement d'accord avec la version de Ben, là, mais je pas, on ne va pas faire ça hein, comme vidéo, là. Je vais, vais finir en conclusion, là. Parce qu'effectivement, si euh, euh, en, en amputant la main, j'empêche euh, euh, une gangrène de tout le corps et la mort du bonhomme, euh, bravo. Mais d'un autre côté, si j'en euh, suis arrivé à devoir amputer la main parce que depuis 15 jours... Je ne soigne pas l'infection du doigt. Parce que, hein, <laughs> Là, quand même, je ne pense pas que l'amputation soit finalement la, la démarche qui a été la, 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 la mieux bienvenue, la plus préférentielle hein, pour le bénéfice de tous. Enfin, je veux dire, sinon, parlez-en à mon doigt, justement. Quoi. <laughs> j ai, j ai... Enfin, et aux autres aussi, hein, du coup. Enfin bon, c'est une vidéo qui dure une heure à peu près, 55 minutes à peu près, et euh, 57 minutes, et euh, que j'étais en train de, de regarder avec un certain intérêt parce que je, Ben Fulford, c'est il est en, euh, il est encore moins crédible pour moi que Kim, quasiment presque. Enfin, vous voyez. Euh, pas moins crédible mais aussi crédible. Enfin, j'ai besoin d'autant de, de preuves, de confirmation dans ce qu'il raconte lui que. Et puis en plus, lui, il dit bon, ça existe les IT mais moi je les ai jamais vus donc je, dans mon discours je me base euh, dans ce que je vois dans la vie courante là. Et il se prend cet argument-là, réaliste, terre à terre, matérialiste, les pieds dans les godasses, ok, anti-conspire d'ailleurs aussi quasiment quoi. Il parle de, du deep state mais euh, rien qu'avec des personnages réels quoi en 3D physique humanoïde. Et donc, il n'a croisé jamais un ITI, il n'a pas fait les soins énergétiques qui lui permettraient de voir les, les, les parasites éthériques différents, dont les reptiliens, mais les gris, les mantises, les insectoïdes, le matos, l'intelligence artificielle, les scutlers et toutes les espèces différentes de, de vampires énergétiques qui existent. Et il y en a un paquet. Il y, a, il y a la même chose côté positif aussi, hein, mais il y a, il y a ce paquet-là. Il ne voit pas tout ça, il n'a pas croisé de non-humains, euh, et je pense qu'il n'a jamais été confronté à un, un phénomène de magie inexplicable et efficace hein. matérialisation, de, de bi-localisation, -ma de, bi de. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est dommage. Mais bon s'occupe du côté finance, il s'occupe de certains trucs, il fait de la désinfo, il a des sources un peu de partout, je l'ai vu là quand on a reproché à la reine tous les sujets reprochables, il a tiqué en admettant qu'effectivement c'était lourd, quoi. Ouais, ouais, ouais. mais bon il essaye de regarder hein, le plan d'un peu plus loin et de voir qu'au bout il ben, y a eu des sacrifiés, mais ça permettait à la reine peut-être d'intervenir dans certains clubs oui, il fallait passer par là, mais de là, après, elle avait peut-être un, un droit de veto sur une décision et elle empêchait euh, d'autres événements d'intervenir. Peut-être, j'essaye de me faire l'avocat du diable. Hein. C'est clair. Mais euh, là, pour ce cas-là, hein. bon, euh, on verra, on verra. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi euh, ce qu'on a vu auparavant. Dont je vous mettrai les adresses. Il y a aussi euh, une des dernières interviews de Dark, Dark Journaliste, excellente, avec euh, quelqu'un, un insider hein, des grandes familles dirigeantes, les Mellon, everyone, me semble-t-il, qui parle là de la relation entre justement ce niveau-là de la société, c'est presque la breakaway society, hein, et euh, la technologie ZT, les IT et tout ça. C'est John Warner 4 le Patriot Act des dossiers ovnis. Et euh, les, la précédente aussi. C'est-à-dire euh, première partie, si on peut dire. John Warner 4, les dossiers ovnis secrets de la Navy, les lignes temporelles avec Hotech et Taoiseach, où je crois qu'il y a eu euh, deux, deux crashs aussi, il me semble. Je ne suis pas sûr. Hein. Je ne les ai pas suivis encore, j'ai juste entendu quelques mots en passant et des éloges vis-à-vis -vis de ces deux interviews. Enfin, cette ces interviews avec John, enfin, John Warner 4. Bon, on passe entre les gouttes et les aiguilles, on tient bon, on prépare le pire, mais on s'attend au mieux. Non, on, on s'attend au pire, mais on prépare pour le mieux, parce que comme ça, on, vis, on visualise quand même. Ben, froidement, on analyse les dangers et on évite les ornières, mais. Euh, euh, Mentalement parlant, on se voit arriver à bon port, en bonne santé, tous et même plus nombreux, de bonne humeur, voyez, dans un monde calme, rasséréné, dans le, la paix, le luxe et la volupté. Le luxe pas nécessairement, mais l'harmonie, paix, harmonie, santé, bonheur, volupté. Oh, je deviens ambidénoteur. Je vous embrasse bien fort. Ah non, non, je ne vous embrasse pas, je ne suis pas rasé. Et puis, euh, hein? non, mais ça ne va pas, non, je vous embrasse bien fort. Quelle drôle d'idée. Je vous salue bien bas. <laughs> et à très bientôt. Salut. Il ouais, y en a peut-être deux ou trois que j'embrasse quand même. Hein? <laughs>